Donc j'ai décidé de me présenter après quelques mois de pratique de terrain et surtout après une analyse approfondie de la situation de la ville. Donc j'ai pu mesurer après cette présence, cette proximité avec la population, l'étendue de la déception de cette population et surtout son désir de changement. Donc nous avons pris la décision avec le mouvement Gozérien pour l'alternance d'être candidat aux élections municipales de 2020 pour pouvoir porter un autre projet, un projet qui répondra aux aspirations de la population. Le projet sera porté par le besoin de proximité. D'abord, nous répondrons, ce sera vraiment notre colonne vertébrale, la proximité. Ensuite, c'est un principe, c'est un mode de vie que nous voulons instaurer au sein de la ville du Gosier. Deuxièmement, nous avons une vision. Forcément, nous avons une vision qui veut que la ville devienne la ville de référence, la ville qu'on citera, la ville qu'on prendra en exemple en Guadeloupe, aussi une ville attractive. Aujourd'hui, c'est vrai que la ville du Gosier, nous la vivons comme une ville qui est en train de mourir. Nous voulons effectivement mettre en place un dynamisme qui permettra à la population d'être fière de sa commune.